Moi, c'est celle-là qui m'a vraiment, vraiment surpris. Un bleu pétant, le plus beau bleu que vous pouvez avoir. Puis on le change, puis c'est rendu du lilas. Huh. Mariner Blue. Yo tout le monde, c'est Lantaz, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA V. Aujourd'hui, on va voir les jeux que vous connaissez tous, mais d'une manière différente. On va donc expérimenter aujourd'hui avec des filtres sur Windows 10. Il y a quelques paramètres que je peux changer sur Windows 10 qui vont me permettre donc de mettre des filtres de colorblind, nuances de gris ou même inverser les couleurs. Donc, on va essayer ça aujourd'hui sur GTA V. On va voir un peu qu'est-ce que ça donne et puis on va expérimenter un peu avec ceci. Également, oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Donc sans plus attendre les gens, c'est parti! On va commencer par le filtre noir et blanc, donc nuance de gris sur GTA V. Si je vais dans mes paramètres et que j'active ce petit bouton-là ici, je change complètement la couleur de mon PC. Que ce soit mes logiciels d'enregistrement et les jeux également, je les change complètement, donc c'est très désorientant. Donc on va commencer par nuance de gris juste ici. Nuance de gris, comme vous pouvez voir, jusqu'à maintenant, ça paraît pas grand-chose, mais si on va sur GTA V, ça change complètement le feeling du jeu. Et c'est vraiment bizarre. Donc, on peut... Oh my god, c'est vraiment étrange. En vrai, c'est super badass. Pour faire des petites scènes en noir et blanc, quelque chose de genre, là, c'est vraiment pas super. On va se promener un petit peu en voiture. Comme vous pouvez voir, ma voiture, normalement, elle est brune. Donc là, c'est plus un genre de gris foncé, je vous dirais, là. Et on fait que commencer, pour de vrai. C'est vraiment étrange, pour vrai. Damn. C'est cool. C'est sûr que c'est le filtre le moins intéressant, à mon avis. Et là, on va passer carrément au deuxième filtre. Si on retourne dans les petits paramètres, on a également inversé, qui est là vraiment super mindful. Et voilà, c'est à ça que ça ressemble. Vous connaissez tous ce filtre-là, d'une manière ou d'une autre. Je sais qu'il est possible de faire ça sur plusieurs applications, sur téléphone, etc. Le ciel est super intéressant. On a du bleu foncé, du vert. Wow! Le filtre inversé va donc... Oh! Là, c'est du rouge et du gris. Puis si on change les paramètres, qu'est-ce que ça fait? C'est du bleu. What? C'est comme là, on voit, il y a du bleu, ça va être du rouge. Le rouge va être du bleu. On a du bleu foncé également qui va être encore du rouge. C'est vraiment donc avec les trois couleurs primaires, le jaune, le bleu et le rouge. Même mes headlights, ils sont rouges en face. C'est vraiment étrange. Pour vrai, par contre, le ciel, c'est ce qui m'impressionne le plus. Pour cette premier épisode, on le fait sur GTA V, mais n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires un autre jeu que vous voulez que j'essaie avec les couleurs inversées et les prochains filtres qu'on va essayer dans cette vidéo-là. Donc, j'attends avec impatience vos commentaires. Voilà, ça, c'est un bon exemple. Ça, il y a beaucoup de couleurs. Mais en réalité, ça serait pas être bleu, non? Ouais, vous pouvez voir, mes phares, ils sont bleus, donc techniquement, c'est pour ça que c'est rouge. Ouh, la roue! La grande roue, elle est vraiment cool aussi. Il y a beaucoup de rouge, beaucoup de bleu. Oh, même les bannières sont vertes maintenant, sont pas bleues. Ah! Avant de passer au prochain filtre, je veux absolument que vous essayiez de deviner les couleurs qui sont originalement sur ces deux panneaux-là. Pour le panneau de l'hôtel, à mon avis, là, on voit du bleu. Je dirais du bleu pâle même. Je vous dirais que ça serait peut-être un genre de rouge pâle. Puis pour l'autre panneau, donc je dirais rouge... donc bleu et rouge. Ça me f*** la tête bien raide. Ok, on a du rouge. Et là, on a du vert. Ce qui est un petit peu différent que ce que je l'aurais imaginé. On va passer à des filtres très très lourds qui sont donc des filtres pour les personnes qui sont colorblind. Donc des personnes qui ont des perceptions de la couleur un petit peu différentes que la normalité. Moi, je suis pas colorblind, donc c'est sûr que j'ai jamais réellement vécu ces problèmes-là. Mais je sais qu'un des plus connus étant Squeezie, qui a un petit colorblind, mais je me rappelle plus lequel par contre. Là, on y va sur du rouge et vert. Donc le rouge est faible et c'est donc un daltonisme qui s'appelle Protanopy. Oh wow! Mes icônes de desktop, donc Google Chrome, est beaucoup plus foncé, avec des couleurs plus pâles. Les rouges sont vraiment très pâles en général. Wow! On va voir un peu qu'est-ce que ça va donner sans le filtre. Oh wow! Oui, quand même! Quand même! Oh, les verts sont vraiment très distincts quand même. Damn! Ouh, il y a beaucoup de couleurs ici. Ok, ça serait une bonne exemple également. Ah oui, quand même! Attends. Ok, ça c'est sans le filtre, ça c'est avec le filtre. Fait qu'on a vraiment des couleurs un petit peu plus... Le rose, le rouge est pratiquement orange pour moi. Et sinon, les couleurs sont plus pastelles en fait, sont plus fades. Je pense que les couleurs qu'on connaît tous dans Los Santos Custom, ça va vraiment nous donner une bonne idée de la différence des tons de couleurs qu'on a normalement avec ces filtres-là. Oh, on peut voir le timer en bas, il est presque rose. On va regarder les couleurs, voir s'il n'y a peut-être pas quelque chose qui me sauterait à la gueule en vrai. Ouh, ça j'aime cette couleur-là. Attendez.
Quoi? J'adore cette couleur-là. C'est un genre de mauve foncé, mais genre pas trop. Je me mélange entre les deux. On dirait que des fois, je suis comme... Attends, y a-tu le filtre ou pas? Là, je suis pas sûr. Celle-là aussi, en réalité. Attends. Ouais, quand même! Il y en a qui changent moins parce qu'il y a des couleurs qui n'ont pas le ton. Ils n'ont pas de rouge en réalité dans la couleur, ce qui fait que ces couleurs-là sont pas vraiment affectées. Comme par exemple le vert, le gris, le brun. Ouh! Le bright purple, par contre, on voit là, il y a un petit peu de rouge normalement dans cette couleur-là quand même. Ouais, comme vous pouvez voir, regardez. Waouh, j'adore la couleur. C'est des nouvelles couleurs, c'est vraiment cool. Damn! Ça, c'est sans. Puis ça, c'est avec. Wow, quand même! Comme celle-ci, c'est rose! What the fuck? Oh, what the hell, man? Je sais pas quoi dire, pour vrai, je trouve ça tellement intéressant. C'est vraiment une perception complète de ce qu'on connaît normalement. Avec le filtre qu'on utilise en ce moment, c'est plus ou moins la couleur rouge qui est vraiment très impactée. Sinon, en réalité, on peut voir, là, y a pas grand-chose comme Hot Pink, qui est donc un rose très pétant, normalement, et beaucoup plus fade. Donc sans plus attendre les amis, on va passer au dernier filtre que j'ai à ma disposition sur Windows 10. Donc là, on va activer le bleu et jaune qui est donc la Trita Nopi, qui est donc un autre sorte de daltonisme. Et ça, on peut voir, là, le vert, c'est vraiment ce qui ressort le plus, vu que le vert utilise du bleu et du jaune. Les icônes sur mon bureau sont pas si pires, quoique... Il y en a qui sont quand même weird. Ok, pour l'instant, ce que je peux voir, c'est que le jeu est un peu plus fade, encore comme d'habitude. On va aller se mettre à côté de couleurs plus bleutées. Là, je sais qu'il pleut, fait que c'est un petit peu chiant, là. Juste le park here est vraiment, à mon avis, aucunement mauve comme ça. Ouais, vous pouvez voir, waouh, ok, les bleus sont vraiment très distincts quand même. Je trouve ça tellement intéressant de faire ça, des petites vidéos comme ça sur la chaîne. Ça vous fait découvrir des trucs, et moi aussi, ça me fait découvrir complètement des nouvelles choses. Et de partager ça, d'ailleurs, avec vous, je trouve ça vraiment... vraiment nice. Ouh, le coucher de soleil est quand même vraiment cool par contre. Si on regarde là. Oh, ok, il est quand même beaucoup plus pétant par contre quand que on l'enlève. Comme vous pouvez voir là, c'est beaucoup plus fade. Oh wow, ok, comme on peut voir, on perd la notion du jaune carrément. Fait que là on peut voir le bite, il est quand même vert encore. Mais le it's big, il est complètement vert pour moi en tout cas. Ou tu sais, ici il y a beaucoup de jaune en vrai. Ah oh ouais, les couleurs sont beaucoup plus fades, wow! Ok, what the fuck? Comme j'expliquais, le filtre se concentre vraiment plus sur le jaune et bleu, mais c'est vraiment très flagrant en vrai. Ah, oh, les couleurs sont... What? Le rouge est beaucoup plus orangé. On va se diriger tranquillement vers Los Santos Custom parce que je pense qu'on va avoir des nouvelles couleurs dans le shop qui vont être très intéressantes pour ma voiture, à mon avis. D'ailleurs, ça serait quand même vraiment intéressant si l'un d'entre vous ne savait pas que vous avez un daltonisme, mais qu'avec cette vidéo-là, vous vous êtes diagnostiqué un daltonisme. Welcome back to Los Santos Custom, boys! Ok, c'est parti pour les nouvelles couleurs, les amis. Ok, waouh, le vert est beau! C'est un vert pomme! Même le jaune, c'est encore du vert. Qui est normalement du jaune. C'est vraiment des belles couleurs en plus, c'est ça qui me fait capoter. Oh, le gold! Attends. Ok, ça c'est du gold. Ça c'est à cause du jaune qu'il y a dans la couleur gold en fait. Le mauve, peut-être un petit peu... Ouais, quand même. Quand même. Ok, attends. Il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de content ici là. Moi, c'est celle-là qui m'a vraiment, vraiment surpris. Un bleu pétant, le plus beau bleu que vous pouvez avoir. Puis on change, puis c'est rendu du lilas. Le race yellow est vraiment bizarre. Ça fait vraiment penser à donc une couleur flash genre de cône genre. On va laisser le filtre activé. Et puis moi je vais vous retrouver pour une prochaine vidéo. J'ai adoré faire cette petite vidéo là. N'hésitez pas à me dire les autres jeux que vous voulez qu'on essaye avec ces filtres de colorblind là. Je trouverais ça vraiment intéressant que vous me donniez des suggestions en commentaire. Ouh! Ok, attends. Je viens de trouver un building. Il est vraiment, vraiment très distinct. On peut voir, là, c'est vraiment du mauve, carrément, là. Puis, si on met le... Wow, le bleu. Ouh! Ok, attendez, encore, mais... On peut voir le toit, juste ici, complètement du jaune et du bleu ensemble. Puis là, ça change au vert et au mauve, carrément. Damn! Donc, écoutez, nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo, les amis. J'espère vraiment, encore une fois, que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, etc. Et puis, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!